Pour l'instant, on est sur la phase de thésaurisation, c'est-à-dire de recueil des données. On va prendre un an pour voir où on en est dans notre territoire. Suite à ça, ils vont nous préconiser des compléments de suivi. Et certainement, dans les 2 à 3 années à venir, on aura certainement des préconisations pour savoir quels sont les travaux qu'il faut mener sur notre marais ou ne pas mener pour améliorer des problématiques toutes simples comme les espèces invasives, comme la qualité de l'eau, comme la perte de biodiversité pour certaines espèces.